Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une Ford Focus ST, voilà, de 2006 avec 225 chevaux. Le beau bleu spécifique du modèle avec les jantes en 18 pouces araignées, d'origine bien sûr, et l'élargisseur d'ailes. Voilà, fait de brouillard à l'avant, calandre un peu genre en nid d'abeille. La carrosserie est très propre, rien à signaler, le véhicule n'a jamais été accidenté. Voilà, c'est une 5 portes, très important. On va regarder un petit peu l'état intérieur. Donc là, vous avez les sièges qui sont neufs. Voilà, avec les appuie-têtes, finition bleue spécifique à la carrosserie. Voilà. Donc c'est une boîte 6 vitesses manuelle. Donc 225 chevaux, c'est un 5 cylindres, ça fait un bon petit bruit. C'est un peu la concurrente de la Mégane RS, Mégane 2 RS. Moi perso, au niveau sonorisation, je préfère ça. Vous avez la jauge là-bas des turbos, de la température moteur, etc. Commande vocale, pardon, excusez-moi, commande au volant pour la sono. Les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, donc les vitres électriques avec la finition alu, seuil de porte ST alu. Donc vous avez le sigle ST ici en rouge, la boîte 6 avec la finition rouge. Vous avez l'ESP déconnectable, vous avez le pare-brise chauffant, c'est pas pour le désembuage, ça c'est vraiment le pare-brise chauffant. Bon, le désembuage arrière c'est normal, climatisation. Sono MP3 Sony d'origine, bonne sonorisation, radio, CD, enfin tout le tralala. Vous avez le menu, ordinateur de bord, etc. Donc, les sièges sont très 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 propres. Donc, c'est des Recaro, bon maintien. Plafond noir, nickel, vitre électrique. Essuie-glace automatique. Donc, elle a actuellement 168 000 km avec un carnet d'entretien parfait. Donc, on va entendre un peu le moteur. Donc, ça tourne comme une horloge, hein. Ça démarre au quart de tour. Voilà, ça marche pas mal. C'est une traction. Donc là, vous avez quand même le cahier d'entretien qui est dans un état très rare. Donc, premier entretien 21 000 km, 39 000 km, 61 000 km, 80 000 km, 91 000 km, 103 000 km, 122 000 km, 149 000 km pour la dernière révision. Et une révision sera faite avant la vente. À 168 000 km, c'est juste une vidange parce qu'il y a besoin de rien, il y a besoin de rien faire dessus. Voilà. Donc, avec un carnet comme ça, deux clés, tout est enregistré chez Ford. Ça a été fait dans le même centre Ford depuis sa sortie jusqu'à maintenant. Le véhicule est une première main. Donc la clé ressemble à ça. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre à distance, centralisé, enfin ça c'est classique. Je vais vous montrer un peu quand même le coffre parce qu'il est quand même pas mal. Voilà le coffre. Bon, c'est quand même pas mal, c'est costaud. Avec la belle sortie d'échappement doublée. Là vous avez la roue de secours qui est neuve, jamais servie. Bon, ça c'est pour nettoyer le véhicule, rien à voir. La petite caisse à outils de Ford. Donc voilà, hein, vous avez un peu l'état. Je pense que l'état, on peut dire qu'il est irréprochable. Surtout que c'est un 2006. La voiture a vécu, mais a bien vécu, a été respectée. On va jeter un œil sous le capot. Il est où le machin? Ah oui, c'est vrai que Ford, en même temps vous allez voir, c'est sympa. C'est vrai que Ford, c'est comme ça qu'on ouvre le capot.
un coup à gauche, un coup à droite. Eh ben, je galère. Excusez-moi. Eh ben, voilà l'état mécanique. Aussi propre que le reste. On peut zoomer dedans. Voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà les amis, si vous voulez un moteur de 225 chevaux, vous voulez vous faire plaisir avec des grosses roues, des grosses jantes, une bonne tenue de route et surtout une très très bonne réputation, ben n'hésitez pas à venir voir ce modèle. Donc voilà. Allez, merci.